Et rencontre à présent avec un futur prêtre, le seul qui sera ordonné cette année en Seine-Maritime. Originaire d'Yvetot, Julien Hamel terminera en juin prochain son cycle de 6 années d'études au séminaire d'Issy-les-Moulineaux. Chaque fin de semaine, il se rend dans la paroisse de Forges-les-Eaux pour exercer sa future vocation de prêtre. Comment et pourquoi ce jeune homme a-t-il choisi de consacrer sa vie à Dieu? Réponse dans ce portrait signé François Pesquet, Didier Meunier et Stéphane Lott. Il a 26 ans, il croit en Dieu, Julien Hamel n'en doute plus, il veut devenir prêtre. Comme d'autres étudient à la faculté, chaque semaine, Julien Hamel arpente les allées du séminaire. Sa journée est rythmée par les 3 messes quotidiennes, la prière, mais surtout l'étude. Donc c'est la bibliothèque où on travaille le plus souvent ici. Quel genre d'ouvrage est-ce que vous consultez ici? De tout. Il y a de l'ecclésiologie, la théologie, la philosophie, de la dogmatique, il y a des langues, l'exégèse, enfin, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour bosser. Il vit ici 4 jours par semaine et rejoint le week-end la paroisse de Forges-les-Eaux où il est pour le moment affecté. Du syriac. C'est la 6e et dernière année d'études pour Julien. Il a un peu hâte de quitter les livres pour mettre en pratique sa vocation. Dans la formation, on a 4 piliers. C'est la formation intellectuelle, la vie communautaire, ce qu'on vit au séminaire, la vie spirituelle, qui pour le coup est fondamentale, et la vie pastorale, ce que je fais en paroisse. Je suis beaucoup plus à l'aise, c'est le pilier pastoral, c'est sûr. À la fin de l'année, il devra obtenir son bac canonique. En attendant, il étudie consciencieusement. Ce jour-là, un cours de christologie. Mais la formation d'un prêtre comprend aussi des enseignements plus terre-à-terre. Il y a maintenant une formation un petit peu sur la gestion économique d'une paroisse, il y a une formation sur la psychologie un petit peu, il y a des sessions de management. Donc il y a des choses qu'on n'avait pas forcément avant, qu'on a aujourd'hui. Pour lui, la vie d'un séminariste n'a rien d'austère. Il est vrai qu'elle comprend quelques brefs temps de loisirs. Il y a les moments de détente, il y a aussi le sport. Sans ça, après, on éclate. Hein. Trop de travail, jamais on se vide pas la tête, on ne va pas très loin. Julien Hamel vient d'un milieu croyant mais pas pratiquant. Lui veut devenir prêtre depuis son adolescence. Après des études générales, il a d'abord travaillé dans la banque et l'assurance. À 20 ans, Julien entre au séminaire, son choix est fait. Un samedi après-midi de septembre dans le pays de Bray. La présidence, elle est... Enfin, je vais me mettre où, moi, pour présider. En tant que diacre, Julien est déjà autorisé par l'Église à célébrer certaines cérémonies religieuses. Les mariages, on est déjà célébré un petit peu, surtout les baptêmes, ce qu'on aura juste après la première célébration. Donc ça commence un peu à rentrer dans le métier, si on peut dire. Quoi. Ouais. Pour moi, j'ai pas fait de grosses bourdes. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Comment ça va? Ça va bien, ça va. Pas trop stressé? Un petit peu. Un petit peu. Thomas, Vanessa, c'est une très grande joie pour moi de vous accueillir aujourd'hui dans cette église. Je vous accueille avec joie pour la célébration de votre mariage aujourd'hui. Dure réalité du terrain. Personne pour animer le chant ce jour-là. Julien devra s'occuper de tout, ou presque, pendant la cérémonie. Ainsi va la vie d'un futur curé de campagne. Accompagnons-nous-mêmes de nos prières ce nouveau foyer, pour que Dieu, dans sa bonté, fasse grandir leur amour et vienne en aide à toutes les familles dans le monde. Ah, ça tâtonne encore un petit peu, hein, je débute. Hein. Donc il y a encore toujours quelques petites choses à apprendre et puis quelques petites choses à remettre en place. Là, il y a eu quelques petites inversions dans certains rythmes, mais rien de grave, mais ça, voilà, ça va venir. C'est avec le métier que ça rentre. En juin prochain, Julien Hamel sera ordonné prêtre en la cathédrale de Rouen. L'évêque lui attribuera ensuite une paroisse. En attendant, retour au séminaire et à l'étude.
Être prêtre aujourd'hui, les gens nous regardent un peu parfois de travers, disant mais finalement qu'est-ce qu'ils font, c'est qui ces gens-là, et pourquoi ils sont en dehors de la société, etc. Alors que concrètement, on n'est pas en dehors de la société, on est à fond dans le monde. On est en paroisse, on est sur le terrain, on est avec les gens qui sont là, avec les paroissiens, et on n'est pas cloîtré, loin de là. À 26 ans, Julien Mel s'apprête à s'engager pour la vie au service de l'Église catholique. Il sera le seul prêtre ordonné cette année en Seine-Maritime.